Les habitants du quartier Repianga n'ont pas dérogé à la règle. À l'aube du troisième jour de la fête du Ramadan, ils se sont rendus au Lamida de Ngaoundéri pour le rituel de présentation des vœux à Sa Majesté Mohamedou Hayatou Issa, le Lamido de la cité capitale de l'Adamawa. La rencontre tête-à-tête avec le guide de la communauté s'est déroulée dans la salle des audiences. Tout au long du temps qu'a duré la rencontre, le garant des us et coutumes s'adresse directement à ses hôtes qui répondent par la fameuse formule de salutation. Après une attente relativement courte, dans la cour royale, la délégation fait son entrée dans l'un des nombreux salons qui composent le palais royal. L'heure de vérité sonne lorsque le souverain pénètre dans cette salle bien agencée, à la moquette moelleuse et au plafond haut. Sur un ton solennel, Sa Majesté Mohamedou Hayatou Issa rappelle au Djaourou Marabou Souleymanou et à la délégation qui l'accompagne de veiller à la protection de l'espace réservé au cimetière. L'occasion aussi pour le guide spirituel de lancer un vibrant appel à ses interlocuteurs, un bon père de famille, de continuer à œuvrer pour la paix, la stabilité et l'entente. Au sortir de l'audience, le chef du quartier Rabianga s'est montré pleinement satisfait et reconnaissant. Même sentiment chez ce membre estimé du quartier qui a répondu présent à l'appel de son chef. Je vais ensemble parce que chaque fois quand il y a des cérémonies comme ça, on s'est réunis, ça dit ça. C'est ici, au lieu du secrétariat de la chefferie traditionnelle de 3e degré du quartier Repianga, point de ralliement, que les habitants de toute obédience confondue se sont mobilisés pour cette visite de courtoisie. La délégation composée d'une dizaine de membres sera conduite de main de maître par le Djaourou Marabou Souleymanou, le chef de ce quartier. Ce rendez-vous important a permis de renforcer les liens de fraternité et de solidarité qui unissent les populations et son dirigeant traditionnel.